Et puis nous voici en football à présent avec l'Océane et la troisième journée des matchs de poule qui se joue en Afrique du Sud avec ce match entre les Panthères du Gabon et le Morabitoun de Mauritanie prévu cet après-midi et retransmis en direct sur Gabon Télévision. Un match très attendu pour une place qualificative pour les quarts de finale après un nul, 0 but partout face au Burundi et une victoire face à la RDC 1-0. Le Gabon a besoin de jouer son va-tout, va jouer son va-tout pour se qualifier pour les quarts de finale de ce CHAN. Un rendez-vous important et une rencontre importante pour les Panthères qui devront compter sur un homme en défense qui a su jouer la sécurité sociale, Ervin Nguema, qui a été sacré l'homme du match face à la RDC. La victoire des Panthères devant les Léopards de la RDC. L'autre satisfaction est venue du défenseur central gabonais, Ervin Nguema, désigné meilleur joueur de la rencontre RDC-Gabon par la Confédération africaine de football. Hier, j'ai pris l'habitude de monter depuis un certain temps et je me suis retrouvé au premier match au même endroit et à la fin du match, j'ai raté. Donc j'avais à cœur de réussir. Si je monte, pas monter pour faire de la figuration. Bon, c'est une belle victoire aussi. Vraiment, nous avons senti l'équipe congolaise pousser, mais on a été solide et très sérieux, respecter les consignes. Donc nous remercions encore tous ceux qui nous ont soutenus. C'est la deuxième fois qu'un Gabonais est désigné meilleur joueur du match. Franck Engonga avait déjà obtenu cette distinction le 14 janvier lors du match Gabon-Burundi.